Je vous fais un petit retour de ce que j'ai trouvé aujourd'hui au niveau des soldes dans les magasins. Alors autant vous dire que j'ai pas acheté grand chose étant donné que il y a rien dans les magasins. Je suis allée chez Victoria's Secret, j'ai trouvé une brume pour le corps. Elle passait au lieu de 25€ la brume à 12,40€ et là moi j'ai pris la Bare Vanilla Splash. Ça sent la noix de coco, la vanille, le lotus. Je suis passée chez Primark, j'ai pris ce premier produit qui est une pâte anti-imperfection pour le visage. Et là, le produit il était à 3,50€ et il est passé à 1€. Je ne sais pas en fait ce qu'il y a dedans, donc c'est celle-là. Si vous la connaissez ou si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire un retour, il y a 30g à l'intérieur. Bref, je me suis dit 1€, on va tester. J'ai aussi pris un sorbet pour le corps après soleil. Il était à 4,50€ et là il est passé à 3€ du coup. Donc il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, du beurre de karité, ça sent la coco apparemment. Donc... Ah oui d'accord, c'est une... Ah oui, la texture est vraiment particulière, un peu gélifiée comme ça. Ça sent bien la noix de coco mais c'est pas écœurant. C'est agréable parce que du coup ça a pas un fini ultra collant comme une crème. Et j'ai pris ce truc là. Un spray accélérateur de bronzage SPF 25. Je vous dis honnêtement, ce qui m'a fait acheter le produit, c'est qu'il y a marqué accélérateur de bronzage. Dans le sens où c'est un 200 ml. Ah oui, et avant d'être soldé, il était à 8€ et je l'ai payé 3€. Donc je me suis dit, bon, on va prendre. Il est avec de l'acide hyaluronique, il y a la vitamine E à l'intérieur et apparemment ça sent la pastèque. Ça sent bien la pastèque. Et en fait, c'est un truc genre... Ah oui, d'accord. Genre, c'est lacté. Vous voyez? Et pour finir, je suis allée chez Aromazone parce que je voulais absolument acheter de l'huile de carotte justement pour préparer ma peau avant les vacances à recevoir le soleil, etc. Apparemment, c'est vraiment très bien pour favoriser le bronzage. Voilà. Et il y a de la vitamine A. Enfin, c'est très riche en vitamine A et tout. Et bah forcément, je suis faible. Je marchais dans le magasin et je suis tombée là-dessus et du coup bah, je l'ai pris. En gros c'est une huile protectrice cheveux à la framboise et caranja. Et en fait c'est vraiment une huile qui va protéger vos cheveux du dessèchement de la mer, enfin de l'eau de la mer, du soleil. Enfin voilà, c'est vraiment pour protéger les cheveux et les garder en bonne santé. J'espère que ce petit retour de solde vous aura plu. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner. Bisous.